Bonjour à tous. Alors, vous êtes nombreux à me demander à quoi ça sert de se former à la météo. Réponse en images. Alors, je vais essayer de faire une prévision sur une ville, Bruxelles, par exemple. J'utilise le site de Météo France, au hasard. Alors, où est-ce que c'est Bruxelles? C'est ici. Si je clique dessus. Voilà. Donc, si je reviens au site de Météo France. Qu'est-ce que me dit le système de prévision? Jeudi il fait beau, vendredi il fait beau, samedi, dimanche il fait beau. Allez, je clique sur dimanche. Dimanche éclairci, après-midi éclairci et le soir éclairci. Si je vais à lundi, dans la nuit éclairci. Par contre, il pleut lundi après-midi. Très bien. Alors, je vais essayer de ne pas prendre ça comme argent comptant. Je vais sur un site comme Météo Ciel, qui est un bon site de passionnés météo. Je vais taper la même chose. Bruxelles. Par contre, je vais aller chercher un autre modèle. Là, c'est des prévisions issues du modèle américain GFS. Et je vais aller de suite à dimanche. Et là, dimanche, bizarrement, il ne me met pas la même chose. Il me dit, il pleut. Il pleut. Voyons aussi pour lundi. Qu'est-ce qu'il me dit? Il pleut. Donc, dimanche et lundi, on a donc de la pluie. Alors que je vous rappelle, Météo France a dit que dimanche, sur son système automatisé, il faisait quasiment beau avec des éclaircies, quoi. Comment faire pour faire la différence? Donc là, on va aller dans un autre système de prévision qui est le système de prévision d'ensemble. Qu'est-ce que c'est que une prévision d'ensemble? C'est juste un moyen de faire des prévisions sous forme de probabilité. Je vais aller sur la prévision d'ensemble du modèle GFS, et je vais aller juste vérifier les précipitations. Alors, je prends la carte de probabilité, je prends les. C'est assez facile à lire, supérieur à 1 mm. Donc, en gros, toutes les couleurs rouges, c'est des probabilités au-dessus de 75% qu'il y ait de la pluie, en jaune, entre 50 et 75%, et pareil, en bleu, ce sont des probabilités qui sont faibles. Je vais aller voir. Je vais un peu réduire, je vais prendre juste le domaine de la France. Je vais aller voir pour dimanche. Alors hop, samedi il pleut pas. Et on voit bien que la probabilité augmente dimanche de pluie. Pour devenir quasiment proche des 100% lundi dans la nuit, dimanche soir, lundi dans la nuit. Donc là, la moyenne des scénarios de GFS nous dit que vraiment il va pleuvoir. Et ce n'est pas qu'un seul scénario qui le dit, c'est une grande partie des scénarios. Très bien, je vais encore plus affiner mes prévisions avec les prévisions d'ensemble. Je vais aller voir autre chose qu'un modèle américain, je vais quand même aller voir le modèle Arpège. Je vais prendre les probabilités de précipitation. Et je vais prendre la moyenne des scénarios, hein. Sinon il faut qu'on prenne les 35 scénarios, ça va être un peu long, surtout en vidéo. Et je vais aller me promener sur dimanche. Presse, dimanche matin, sur la moyenne des scénarios du modèle PEARP, il n'y a pas de pluie. 5 heures, toujours pas. On voit que ça arrive, mais on voit que ça arrive, d'accord, vers 14h, dimanche 14h. On voit bien que la moyenne des scénarios nous donne un temps qui se dégrade avec de la pluie vers 14h et puis le lundi, pareil. Donc, vous voyez bien une grosse différence entre des systèmes automatisés comme cela, qui vous auraient dit, allez-y, dimanche, vous pouvez y aller, vous pouvez sortir, et une façon un petit peu plus précise de faire la météo. À bientôt!